Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nofililian. Je partage sur cette chaîne les astuces, les informations en ce qui concerne l'immigration. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Sans plus tarder, je vais commencer. J'ai un abonné qui m'a écrit sur Instagram. Il m'a dit, grande sœur, s'il te plaît, j'ai vu un programme d'immigration. J'aimerais en savoir plus par rapport à ce programme. Il m'a envoyé une capture d'écran d'un programme. J'ai dit, je suis pas au courant de ça. Mais quand cela ne tienne, je vais faire mes recherches et je te reviendrai. Alors, je suis allée, j'ai fait mes recherches, je me suis renseignée auprès des gens qui savent bien. Ils m'ont donné toutes les informations et je suis allée sur le site du gouvernement. J'ai vérifié de moi-même et c'est vrai. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé un programme appelé le programme pilote fédéral en relation avec le gouvernement fédéral. Alors, toi abonné qui m'écoute, je te dis merci pour cette information car cela sera vraiment informatif pour mes abonnés de cette chaîne. En quoi consiste le programme pilote? Compte tenu de main-d'œuvre que vit actuellement le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ils ont lancé ce programme afin de combler la pénurie qui sévit actuellement au Nouveau-Brunswick. Et ce programme sera valide pour 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il va se terminer, pardon, il va se terminer en 2028. Je ne suis pas en train de blaguer ou bien je suis là pour me faire voir sur les réseaux sociaux. Non, je suis là pour partager avec vous les astuces, les informations dans les moindres détails que certains ne vous donneront pas ou bien certains vous donnent et ils retiennent d'autres informations. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment tu pourras postuler pour ce programme et être accepté. Et je vous assure, vous ne dépensez rien. Je dis bien rien, vous ne payez rien. Les employeurs vont payer tout pour vous afin que vous arriviez au Nouveau-Brunswick. Alors, ceci dit, pour vous avoir la véracité de cette information, je vais vous amener avec moi sur le site du gouvernement et ensemble, je vais vous montrer étape par étape comment postuler pour ce programme. Les amis, je vous encourage d'aller postuler. Postuler, postuler, postuler. Je vais vous montrer comment postuler. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière étape que je vais partager ici sera la plus importante. Elle sera très, très, très importante. Alors, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et ceux qui vont postuler, les amis, je vous en prie, quand vous postulez, soyez patients. Parce que ces gens reçoivent de tonnes de dossiers. Donc, soyez patient et attendez qu'ils vous répondent. Parce qu'ils vont vous répondre. Ok, sans plus tarder, je vous amène avec moi derrière la caméra et je vous sur le site du gouvernement. Allez. Nous sommes. Alors, les amis, nous voici derrière la caméra. Je vais écrire. Je vais écrire. Nous sommes sur Google. Je vais écrire. Nouveau. Vous voyez, ça sort même déjà. Nouveau. Brunswick. Nouveau. Ça sort même déjà. Vous allez écrire Nouveau-Brunswick, programme pilote 2023. Je clique dessus. Vous allez voir. Projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Je clique. Je clique sur le premier. Alors, on va lire ensemble. Le projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Le projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick est un programme pilote d'une durée de 5 ans qui vise à combler les pénuries critiques de main-d'œuvre dans divers secteurs et dans diverses régions de la province. Le projet pilote a été créé pour attirer les travailleurs qualifiés vers des professions qui ont été et qui continueront d'être difficiles à pouvoir
au Nouveau-Brunswick dans les années à venir. On dit, le projet pilote sur le travail culturel est un volet dirigé par l'employeur axé sur le recrutement ciblé des travailleurs qualifiés. Par conséquent, les candidatures au projet pilote sont présentées par l'intermédiaire de l'employeur participant. Le programme n'accepte pas les demandes directes des candidats intéressés. Alors, ce projet demande de vous de passer, donc pour avoir votre visa ou bien pour appliquer, c'est votre employeur qui devra le faire, ce n'est pas vous. Maintenant, on dit, voici, il y a les employeurs qui participent à cela. Ils sont six. On dit, les employeurs intéressés à savoir comment les programmes d'immigration économique du Nouveau-Brunswick peuvent répondre à leurs besoins en main-d'œuvre, consulter le site. On dit, voici les employeurs participants. Pour ce programme, nous avons déjà six employeurs qui participent à cela. Vous voyez? Maintenant, on dit, participation des candidats. En fait, tout y est. Vous allez lire vous-même et essayer de voir. Maintenant, voilà, on va prendre étape par étape. On va aller voir comment est-ce que on peut contacter ces employés. Ces employés, ils sont combien au total? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 employeurs. Alors, je commence avec la première. Ok. Je prends la première. Ok. Maintenant, je copie. J'ouvre une nouvelle page. Je colle et je recherche. Voilà ça. Cook Aquaculture Inc. OK. Je clique dessus. OK. Maintenant, je descends. Vous voyez? OK. Nous y sommes. Maintenant, vous voyez, contact us. Donc, vous dites contactez-nous. Ce que vous allez faire, vous allez partir, vous allez mettre votre nom. Vous allez mettre first name, last name, prénom et votre nom. Prénom, je mets par exemple Lily. Nom, je mets Nofi. Maintenant, vous partez, vous mettez votre adresse email. Vous mettez votre adresse email. Votre civic adresse. Vous mettez votre adresse. Si par exemple, vous êtes au Congo, mettez Congo. Ou bien, vous pouvez mettre Cameroun. Ou bien, vous mettez Togo. Peu importe. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et votre numéro de téléphone, n'oubliez pas de le mettre avec l'indicatif du pays. Par exemple, l'indicatif au Cameroun, c'est le 00237. OK. Donc, ne l'oubliez pas. Vous mettez votre numéro de téléphone et votre message. On dit un message est demandé. Alors, pour le message, je vais vous écrire un message. Vous allez dire, monsieur. Ah, ça ne se voit pas bien. Eh bien, on va faire avec un monsieur. Madame. OK. OK. Je suis Liliane Nofi. Je me permets de vous écrire pour participer au programme pilote du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick.
Ok. En fait, vous écrivez un message. Bref, je serai disponible pour... Bon, je sais pas quoi je vais mettre. Non, je me permets de vous écrire pour déposer ma candidature. Ok, pas participer. Pardon, pour déposer ma candidature au programme pilote du Nouveau-Brunswick. Je reste disponible pour une suite favorable. Bref, les amis, c'est juste un. Je mets juste. Bref, vous allez adapter ça à vous et il faut être bref. Et je mets cordialement. Cordialement. Donc, il faut être bref, comme j'ai dit. Ok? Ne partez pas seulement copier tout ce que j'ai mis ici là. Vous faites en vos propres mots, de manière bref. Ne mettez pas votre âge. Ne mettez pas votre sexe. Non, ne racontez pas votre vie. Soyez bref parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour lire des longs messages. Faites des messages courts et brefs. Ok. Je dis, monsieur, madame, bonjour. Il faut mettre bonjour par respect. Bonjour. Je suis Liliane Nofi. Je me permets de vous écrire pour déposer ma candidature au programme pilote du Nouveau-Brunswick. Je reste disponible pour une suite favorable. Cordialement. Vous voyez, voilà ce que j'ai écrit. Et submit veut dire envoyer ou bien appliquer. Ok? Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas bien, mais c'est ce que j'ai écrit. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Comme je vous ai dit là, c'est ce que moi j'ai écrit. Ok. Donc, vous mettez vos informations et vous. Maintenant, on va aller pour la deuxième entreprise et voir comment faire. Comment poster. Allez, on revient. Je prends, je copie JD Irving LTD. What's happening? Ok, copier. Et on va aller sur Google. Et les amis, voici sur Google. Je vais coller et je recherche. Alors, voilà ça. Comme vous pouvez le constater. Les amis, vous pouvez même partir directement aussi sur New Brunswick Opportunity et vous postulez directement même sur leur site, sur les offres d'emploi qui correspondent à votre CV. Ne partez pas prendre un CV de chauffeur, vous appliquez sur un CV de maçon, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple. Donc, je ne sais même pas dans quoi eux ils font. Je sais pas dans quoi ils font, mais je vous dis quoi. Il faut que votre CV soit en relation avec le poste pour lequel tu postules. Ok, on y va. Ok, nous voici. View all job opening. Donc, on dit regardez tous les. Ça, ce sont les entreprises. Je vous assure, les amis, si vous obtenez un job ici, là, vous, c'est pas vous qui allez payer, dépenser. Ce sont eux qui vont tout payer les frais. Donc, ne vous découragez pas. Le programme est valide juste pendant 5 ans. Vous voyez? Ok. Maintenant, on va aller. Comment faire pour. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ils écrivent about us en disant contact us. On va partir sur contact us. Vous voyez. Career post. If you are interested in career with JD Living Limited or one of its affiliated company, we would like to hear from you. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si vous êtes intéressé par rapport à leurs opportunités d'emploi,
de travailler avec JD Irving ou bien une compagnie affiliée, ils seront intéressés d'entendre parler de vous. Ça veut dire quoi? Que maintenant, voici ça. Ils disent, please visit our career site and apply today. Que vous pouvez visiter leur site pour les carrières et appliquer dès maintenant. Bon, vous allez venir. Employment. Ok, vous employment, emploi, vous mettez votre nom, votre email adresse et vous mettez une question, un commentaire. Vous allez partir. Le premier message pour gagner en temps, le premier message que vous aviez fait pour la première entreprise, vous la faites, vous copiez juste et vous venez cliquer ici là pour déposer. Ou bien vous rédigez encore un autre message, bref. Et on vous dit fresh captcha, donc vous allez regarder le captcha. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Donc, le captcha, ça veut dire que tu vas écrire ici, là. Tu entres le captcha, c'est P-U-P-U-L-G-I. L-G-I. Ok, le I, c'est en capital letter. Ça veut dire que c'est en majuscule. Le I, c'est en capital letter. Ok. Maintenant, tu passes submit. Tu cliques sur appliquer. Donc, moi, je ne vais pas appliquer. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Pour ceux même qui veulent déjà, allez déjà regarder leurs opportunités. Alors, on peut voir. Vous voyez, Ship Cook. Vous pouviez mettre votre bronze sur en anglais. Voilà, France. Il veut dire en français. Parce que j'ai mis anglais. Ok. Voilà. J'ai mis éminent en français. Emploi en vedette. On dit ship cook. Vous voyez. Hospitality. Ça, c'est pour les gens qui font dans le hospitality food service. Vous avez vu? Ship cook. Back-end office manager. Operating manager. Front counter. Quand on dit hospitality, c'est pour ceux qui font dans la restauration et autres. On dit mon profit créé et gérer des profits pour les opportunités futures. Mes candidatures, faites le suivi de vos opportunités, mes candidatures. Si vous voyez un poste, vous postulez. À défaut, quand vous les avez contactés, vous pouvez attendre et après vous appliquer. Ok, maintenant on va aller pour la troisième. Et la troisième s'appelle groupe Savoie. Je copie et je colle. Je lance la recherche. Voici le groupe Savoie. Je clique dessus. Ok. Voilà pour groupe Savoie. Si pour ceux qui ne savent, qui ne comprennent pas, ok, on dit pour le français. Je clique pour le français, vous cliquez sur français. Voilà, ça a mis en français. Ça va changer pour le français. Ok, voilà, ça a changé. Attendez. Ok, voilà, ça a changé la croissance et autres. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, vous allez à des coordonnées. Maintenant, on dit pour les renseignements concernant le groupe Savoie, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bon, ici, voilà, regardez. Ici, pour les ressources humaines, vous pouvez directement envoyer un message à cette adresse email hr@groupesavoie.com. hr@groupesavoie.com. Vous avez un message bref là-bas pour leur demander. Vous pouvez vous renseigner et autres. Vous écrivez un message, vous les envoyez un message bref. Ils vont vous répondre. Ils répondent, les amis. Ok. Donc, je vous ai montré ici comment faire pour les contacter. Et surtout, ne les appelez pas. Ça sera vous allez perdre seulement de l'argent. C'est mieux de les envoyer un message dans leur boîte. Maintenant, on y va à la prochaine.
maintenant, allons sur le groupe WhatsApp. Ok, je copie et je vais coller sur Google. Je coque sur Google et je recherche. Voici le groupe Wesco. Je clique dessus. Vous avez vu, ils font dans les œufs, l'élevage et bien d'autres. Ok, voici ça. Je passe sur nous rejoindre. Je clique directement dessus. Voilà. Je suis directement sur nous rejoindre. Ok. Nous rejoindre. Voilà l'adresse courriel. info@groupewesco.com. Donc vous partez là-bas, vous envoyez votre message, un message bref comme celui que nous avons fait à la première, pour la première entreprise. Vous avez vu? Ok. Maintenant, on va à la prochaine. Et là, la dernière, bon, c'est pas la dernière, en fait, je vais un peu sauter, je vais aller à la dernière pour que vous allez souffrir que la vidéo soit longue, mais c'est pour vous montrer étape par étape comment contacter ces différents recruteurs. Je suis sur le site du gouvernement. Bon, je vais pas prendre Imperial Manufacturing Group. Vous allez le faire pour chaque entreprise. Maintenant, je pars sur McGain. Copier. Google. Ok, nous sommes sur McGain. Je clique. Ok. Nous sommes sur McGain. Il faut savoir que la province du Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue. Là-bas, on parle français et anglais. Donc, ne soyez pas surpris que le site s'ouvre en anglais et vous êtes frustré. Non. Il y a la possibilité. C'est devant vous que j'ai montré comment faire pour changer en français quand vous ouvrez le site lorsqu'il est en anglais. Ok, maintenant. On ne perd pas le temps. Ok, je vais là. J'ai écrit contact us. Je passe contact us. Please check out our career page for more information on job at McCain Foods. Ok, contact us. Donc, vous allez aussi aller ici. Vous mettez votre nom, votre pays, votre adresse email et vous mettez votre message. Un message. Bref, vous cliquez sur. Si vous voulez recevoir des notifications chaque fois dans votre boîte email, vous cliquez sur la case New List Sign Up. Your privacy, vous cliquez your privacy, vous allez cliquer sur obligatoire et vous envoyez envoyer, vous cliquez sur envoyer, ça va partir. Et aussi je voulais souligner quelque chose les amis, voici, ils ont dit career inquiry, si vous voulez vous renseigner par rapport aux opportunités, vous pouvez aller et regarder. Regardez, visite site to search for career opportunity, que vous visitez le site pour voir les offres disponibles. Donc vous ne perdez rien les amis, il faut aller maintenant pour chercher et appliquer.
Welcome to Career at Mackin Food. Vous avez vu, pour les gens qui font dans la restauration. Ah Lily, je fais dans la restauration. Est-ce que c'est, vous voyez, c'est ça. Mackin, voici pour les candidats. Il y a les journalistes, les farmers, customers. Vous avez vu. Stay connected by joining our network. Enter your email and be informed of upcoming events and opportunities that match your interest. Donc, ils disent que vous mettez votre adresse email pour être informé chaque de temps en temps s'il y a des opportunités d'emploi qui cadrent, qui siègent avec votre profil. Donc, vous ne perdez rien. Mettez et vous envoyez. Ils vont vous envoyer de temps en temps quand il y aura les offres. Maintenant, job search. Tu cherches, si tu veux un poste, tu mets, tu cliques, tu vois si ça va sortir. Bref, les amis, il faut, je vous conseille de lire. Quand vous les avez envoyé le message, je vous conseille de lire et de faire un peu de. Vous circuler un peu sur. Vous naviguez, je vous l'ai dit. Vous naviguez sur leur site et voir. Vous faites un peu plus de recherche. Alors, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette information a été vraiment bénéfique pour vous et que vous allez vous plier dessus et appliquer. Les amis, vous ne perdez rien en appliquant. Je dis vous ne perdez rien en appliquant. Donc, il faut appliquer et vous attendez. Ne mettez pas la pression, ne harcelez pas le recruteur parce qu'ils ont tellement de messages. Alors, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, je te prie d'activer, si tu n'es pas encore abonné, je te prie d'activer la cloche de notification et de t'abonner. Alors, on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo avec des informations capitales. Allez, bye les amis.